Bonjour tout le monde, c'est Eti. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de My Supermarket, pardon. Et je te vais déchirer. Hop. On va faire 2-3 trucs. Pourquoi on commence à partir de là? C'est où ça? On va faire le management. Il y avait une très bonne idée. C'était vu que... Hop, jusqu'à 21h à peu près... À chaque fois, histoire de pouvoir, puisque vu que les clients sont trop lents pour sortir, donc on m'a dit de faire jusqu'à 21h au moins, comme ça on sera tranquille. Stock de l'entrepôt, donc je sais pas trop comment ça marche du coup. Prix moyen, ok. Quantité à commander 50. Donc là, il a commandé 50 poires. Ok, d'accord. Ça commande 50 par 50 à chaque fois qu'il y a 50 en moins. Donc techniquement, les oranges... Ah bah non. Le raisin, il devrait avoir moins. Prix moyen, ok. Épicerie, on est on sauf ça. Et ça. Donc, on va faire 50-50... Ok, les vêtements, ça va être tendu, l'électronique aussi, le congelé aussi, ça, pas la peine, produits laitiers, c'est bon, boissons et bouteilles, on va mettre on pour les canettes, à 50, ok. Du coup, nous, il nous reste combien? 2000. On va commander des vêtements. Voilà, il commande parce que, ah ouais, ok, donc en fait, c'est pas trop mal, hein. 10, on a combien en stock de ça? Je sais pas. 10. 10. 10. 10. Et 10. Ensuite, on va faire ça. Oh, pardon, je vous avais pas vu, monsieur. Et on va voir. Donc, on va essayer de trouver comment faciliter tout ça. Ce qui va être un petit peu plus dur. Et vous savez quoi? On va aussi acheter un service. Pardon. Avec un agent de sécurité. À 13$ de l'heure. Voilà. On va voir si on arrive à tenir tout. Et on m'a dit aussi qu'il y avait des formations pour les comment ça s'appelle, les gens, les employés. On va aller voir ça. En fait, le jeu a pas mal d'outils, mais très très peu de tutos. On doit tout découvrir. Au fur et à mesure et instinctivement, en fait. Voilà, là par exemple, mon truc là, il vient de commander 50 fruits du dragon parce qu'il y en avait moins de 50. Donc ça, c'est plutôt cool. Moins de 50 en stock, hein. Donc le but là, c'est vraiment de vendre sans qu'il y ait de produits manquants. Le seul problème, c'est que je ne fais pas assez de ventes pour pouvoir dire qu'il faut 50 habits de telle ou telle chose. Et du coup, je risque d'être en rate d'habits, en fait. Voilà, j'entends déjà un... Ah, il manque des shorts et tout. Voilà, on va vite commander des produits.
On va en commander 15 par 15. Voilà. Et on va prier pour que tout le reste fonctionne. Allez. Ce qui serait bien, c'est que on ait assez d'argent pour acheter un autre bac pour les viandes. Ok, l'agent de sécurité a fait son taf. Donc maintenant, c'est à nos personnes d'entretien ou autres de remettre tout correctement. Oula, c'était quoi ça? Il y avait une émote que je connaissais pas. M'a dit de mettre des caisses automatiques, le seul problème c'est que les caisses automatiques... Waouh, non mais waouh. Le panier est immense quoi. Ça coûte méga cher, mais je pense que je vais en mettre une dès que c'est possible. Nouvelle étoile de réputation, super. Allez, vêche-toi. Il faut moins que possible. Bah elle est partie parce que ouais. Les gens commandent trop. Il nous faut une autre caisse. Voilà. Donc le truc, le remplissage auto, ça marche nickel. Le seul problème, c'est que pour les... les vêtements, je peux pas faire ça, quoi. Off, dégage. Je suis hyper concentré, je suis désolé. J'essaye en fait d'aller plus vite pour vraiment qu'il n'y ait pas de problème. Parce que là je les vois jeter au loin les machins là et ça me saoule. il me faut une autre caisse. Ce qui est d'une autre caisse, c'est un autre employé que je dois former à fond pour pas qu'il fasse d'erreur. Donc je dois débourser de l'argent. C'est Tandax.
sais pas pourquoi les gens ils ont jeté là-bas. Ils sautaient même pas la caisse. Est-ce que c'est parce qu'il manque des produits qu'ils aimeraient avoir et qu'ils l'ont pas trouvé? Genre le jus de pomme, etc. Comment ça se fait que c'est vide là-bas? Normalement, le personnel doit travailler jusqu'à 21h. Hein. Je me pose beaucoup de questions là. Ok. Alors pourquoi tout ça n'est pas rempli? Pourquoi il manque beaucoup d'objets? Le jus de pomme il est où? Il est là, pourquoi il n'a pas été mis? Je ne sais pas. Alors. Oh, super ferme, oui. Du coup, ok, il y a des fringues déjà. Donc ce qu'on va faire, il y a trois pantalons qui devraient aller là. Il y a des foulards qui devraient aller là. Le truc est plein, ok. Alors, hop, je me trompe à chaque fois. Ensuite, là. Ok, vas-y, faites votre vie, y a pas de souci. Donc là, ça m'aide vachement. Franchement, j'avoue que une excellente idée ce truc-là. Ah, tellement l'habitude. Placer produit, chemisier. C'est où le chemisier? C'est ça? Ouais, chemise. Lunettes. Un pantalon. Trois shorts et trois foulards. Et un kiwi, une banane. Ah oui, c'est un kiwi, c'est pas une noix de coco. Ils sont où les kiwis?
Ils sont là. Queen Venom. Ah mince, ce sont où les bananes? J'ai plus de bananes? Non. Très étrange. Donc là, franchement, on s'est bien débrouillé, il y a la thune. Et quand ça fait que les bananes... Faut que je regarde dans les... Attends, c'est ouvert? Non, c'est fermé. Banane, 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 banane. Produits, des fruits et légumes, banane. Ah. Pourquoi il y a 10$ qui part tous les temps là? C'est le restockage? Banane, je comprends pas pourquoi tu m'en as pas pris. On va en prendre 100. Du coup, vêtements. On va en prendre 10. Ça. Foulard, pas la peine. Et shirt à l'arrière. Ok. Ensuite, il nous faut de la viande. Voilà, 25 côtelettes, parce qu'il y en a plus beaucoup. On va prendre, peut-être prendre du poulet aussi. On va peut-être prendre du poulet. 25 poulets, ça va. Ça va, ça va, ça va. Hop, meubles. Alors, une caisse, c'est 1299$. Une caisse automatique libre de service, c'est 7000, enfin 8000 balles. En rayonnage, ça, il nous en faut une. Et ça, stocker les fâchement. Je sais même pas c'est quoi ça, pourquoi c'est. Attendez. Je crois que maintenant on peut voir dans les produits. Voilà, ok. Ok, ok, ok. Les bananes, du coup, il y en a 101. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir le personnel. Et on va voir si on peut faire une formation. Améliorer. Améliorer, temps de formation 1 heure. Former. Si par exemple je fais temps de formation 2 heures, 3 heures. D'accord, ok. Ok, je pense qu'il faut faire ça à la fin de la journée pour que ça se fasse la nuit. 3 heures. Les côtelettes. Vas-y, mais elle est là. Du coup, j'ai client personnel là. Réapprisonnement, ok. Mais lui, ok. Peut-être en embaucher un autre. Comment c'est le recrutement? Lui, il reste pas longtemps.
50 canettes de soda commandées. Je ne sais pas. Ah, punaise. Bah non. Pourquoi ils me l'ont commandé, les canettes de soda? Ok. Alors, personnel. Embauche William, machin truc là. Embaucher. Et l'employé, ça sera toi. Ah non, William. Toi, tu vas faire le nettoyage. Allez, go. On va y arriver, on va y arriver, on va trouver un bon truc. Bon, j'ai un mec qui nettoie. Je commence un petit peu à avoir peur. Alors, il y a une commande de quoi? Nouvelle commande de produit au prix de 50 kiwis. Ok. Donc là, il faudrait viser la caisse. Hein. La caisse. La caisse libre-service. Histoire d'être allégé un peu. Donc ça va aller dans les 8000 balles quoi. Et il y a une nouvelle étoile. Je trouve que c'est plus sympa maintenant que je comprends tout le système. Cinquante poires commandées. Ok, l'argent. Allez, commence pas à vouloir t'endormir toi. Est-ce que j'arrive à vraiment à tout réussir à payer? J'en ai l'impression, non? Il va falloir que je fasse des formations. Je suis un peu trop vite. Là, le jeu me plaît beaucoup plus qu'avant, hein, je vous le dis direct. Commence à ne pas voir. Je sens que je vais commencer à prendre 50 par 50 en vêtements, mais faut vraiment que je gagne beaucoup quoi. Ils font quoi mes gars qui nettoient là? Et t'arrêtes de vomir toi, tu vas me donner envie de vomir par la suite là. Mais t'arrêtes oui.
Attends, j'ai plus de kiwi là? Il n'y a plus rien? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le délire là? C'est les restockeurs qui font pas leur taf là ou quoi? Comment ça fait qu'il n'y a rien? Bah, ah bah oui, il n'y a plus rien! Qu'est-ce qu'ils font? J'ai plus d'argent de sécurité. Ah si. Alors attendez, parce que là, ça, c'est quoi ce personnel de merde? Tu fais quoi là? Oh, vas-y, commencez le recrutement. Oh, shit, popoun. Hein. Mais c'est où ça? Ouais, mais c'est le recrutement. Enfin, le recrutement. C'est les gars de. Du restockage, là, qui font n'importe quoi, monsieur dame. C'est pas de ma faute. Ah, ça y est, ils décident d'en faire un maître. Ok, elle part. Ok. Fou quoi. Alors, je disais juste avant que la journée s'était trop bien passée, là ça m'amuse, là ça m'énerve. Décidément ce jeu est frustrant à la fois et sympa. Vous savez quoi, ça me saoule, clairement. Hop. Attends, ils s'en vont parce que... Attends, mon personnel ne doit pas s'en aller même si le truc est fermé. Hein. Ils doivent faire leurs heures. Hein. Ah bah casse-toi. Mais arrêtez, le truc il est fermé. C'est dingue ça, je dis que c'est fermé et les gens viennent. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il est bugué. Ou alors il se tape sa meilleure pause. Ah, va. Ta qualité, c'est d'être vite et motivation, c'est ça. Je t'embauche. Et tu veux être un réapprovisionnement de 9h à 21h. Ah, vous pouvez partir, hein. Je m'en fous de vous maintenant. Je m'en fous de vous totalement. Je vais pas partir. Hein. Yeah.
Ça y est, c'est fermé. Pourquoi il a marqué ouvert, c'est fermé. Clôture bientôt. Allez-vous-en. Voilà, allez, cassez-vous. Allez. Non, non, non. Allez, on s'en va, on s'en va. On tabasse tout le monde. On s'en va. Non, non, tu peux t'en aller, tu peux t'en aller. Tu peux t'en aller, toi aussi, tu peux t'en aller. Allez-vous-en, dame. Allez-vous-en, dame. Allez, tout le monde s'en va. Non, 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 non. Toi aussi, madame. Je sais pas que ça qu'à faire, il est déjà minuit. Va-t'en. Allez. Non, allez-vous-en. Bon bah écoutez, ne vous en allez pas. C'est pas grave. Je ne vous sers pas. Le magasin est fermé. Alors... Voilà, ça va être compliqué là, je le sens. Ok. Ah non, non, mais cassez-vous. Hein. Dégagez. Hein. Et ils vont me saouler combien de temps là? Ananas et côtelettes. Allez, on se dépêche. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que, tac, on va l'améliorer. Il est quelle heure? Il est 3h. Ça va être 5, 6... À 9h, ok. Vas-y, on va fermer l'employé. Oui. Améliorer, pendant 5 heures. Fermer l'employé. Ça c'est pareil, on va 5 heures former l'employé. 5 heures. 4 heures maintenant. Former l'employé. Non. Voilà. Ensuite, on va commander. Des vêtements. 25, ok. 25. 25. Ok, maintenant, à partir de maintenant, je peux en commander par 25.
C'est loin d'être par 50. Ok, donc là, ok. Construction niveau 3. Je peux le débloquer? Ah ok, je l'ai débloqué. Développé pour 10 000. Ok. Oui, j'ai pas trop envie de le développer. Pas trop envie de le développer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter la nuit. Voilà. On va fermer. On n'ouvre pas. Comme ça, les employés vont tout ranger. Oh, je m'en fiche, hein, moi je veux pas ranger. Les employés vont tout ranger de partout. Tout nettoyer. Et puis, voilà. Voilà. Nous, on va commander ce qui manque et puis on va s'électronicuter. On va s'arrêter là. 599. On va en commander que 10. Pourquoi? Pour garder de l'argent parce que on a pas mal de choses à payer là. Au pire, ce qu'on va faire, c'est... Waouh, punaise. Voilà, aidez-vous chez vous. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux là. On se dépêche. Je vais chercher une lunette. Ah, mais faut peut-être deux trucs à. Nettoyage. Il faut peut-être deux vu que j'ai deux personnes qui nettoient. Oh punaise. Allez, on va ouvrir. Allez, dépêchez-vous les gars. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Ok. Allez. Après, on va s'arrêter là, en fait. Après la journée là, éprouvante. Pas assez d'argent pour commander. Ouais, super. Ouais, je sais que j'ai pas assez d'argent, frère. Le sol n'est plus en négatif, non? Pouah. Allez, on se dépêche, on se dépêche.
coup, là, il y a deux balais, normalement, ça devrait être bon pour... Pourquoi tu fais rien, toi? Super, merci pour l'étoile. Peut te casser de là, William. Je vais taper William. Je vais taper William. $1000 et des poussières. Je vois pas de comment se faire passer, là je commence à m'inquiéter. Ça y est, recommence. Je la vois courir, la petite, là, ça fait du bien. Par contre, les gens formés, là, c'est cool. Hein. Dégage de là! Mais dégage! Punaise. Et j'ai envie de le frapper. Je suis pas violent, mais lui... Je vais te boomer, je vais te boomer.
Ok, c'est bon, ça commande. J'ai eu peur. J'ai eu peur pendant un moment, mais c'est bon, ça commande. Encore? Non, c'est bon. Oh la vache. Le lit. Ah, pâte, c'est pas la peine. Fraise, noix de coco. Pomme, banane. Au moins une chose est sûre, c'est que ça a été tout bien mis. Bah, y a aucune place, punaise. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de journaux. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Et voilà, je peux pas récupérer. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve quand je peux pas récupérer. Ah, ça m'énerve tellement. Voilà. Attends, j'ai pas de... Je sais pas si j'ai du poulet là-bas. Il est là le poulet. Et le raisin, il est où? Ben nulle part. Voilà, bref, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt.
Ciao, ciao.